on va tout simplement faire mon setup. Voilà, je vais vous présenter mon setup que j'ai beaucoup amélioré. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, voilà. C'est très important, comme ça vous suivez l'évolution de mon setup. C'est super cool, en plus il y a des photos inédites de moi. T'as capté? Donc, on va commencer par le truc le plus important. Tu vois, on s'en fout du watch time. Basique, plan et tout, voilà. Ensuite, on a un joli petit tableau de moi. Est-ce que dites dans les commentaires si je suis BG. Donc, ensuite, bon, je n'ai pas de décor parce que bon, ça sert un peu à rien au final. Ensuite, on va continuer sur ma chaise. Ma chaise de bureau assez sympa, c'est pas une chaise gaming, non, elle est basique, c'est une chaise de bureau classique. Elle a un petit problème, c'est voilà, elle fait du bruit. Voilà, donc si vous entendez dans mes vidéos des trucs comme ça, c'est normal parce que c'est je ne pète pas, ok les gars? Je fais tout ça. Ensuite, on a le tapis, qui est un tapis XXL, assez sympa, voilà. Il est vraiment bien. En plus, je peux bouger la souris partout, c'est vraiment super. Bon, après, je suis pas comme ça. Voilà, je suis pas comme ça. Mais tu vois, je peux faire un peu comme ça, vite fait, tac tac, comme ça, c'est super bien. Ensuite, ben, on va continuer sur la souris. C'est une souris qui m'a coûté dans les environs de 10 euros. Vraiment, elle va jusqu'à 10 000 dpi. Elle est RGB. Bon, après, le seul problème, c'est que le RGB, il est pas très puissant. Après, là, le clavier. Le clavier que j'aime bien. Bien, voilà. Après, il est sympa. RGB, bon, après, il n'y a pas de RGB, il est juste comme ça. Donc après, il est assez sympa. Après, je peux l'éteindre et tout. Ensuite, on va commencer par la lampe. La lampe qui me sert d'éclairage quand je filme un peu la nuit comme là. Donc désolé pour l'éclairage, il n'est pas ouf. Voilà. Donc c'est une lampe de bureau assez basique. Elle m'a coûté à peu près 25 euros, je ne sais plus. Ensuite, on a mon casque. Alors mon casque, en gros, c'est un pack à Jiffy. Donc lui, je n'aurai pas la référence. C'est un pack à Jiffy. C'était l'un de mes tout premiers achats pour mon bureau. Non, le pack il coûtait à peu près 20 euros. Donc il était dedans. Il y avait aussi le tapis, la souris, le clavier, mais le clavier était éclaté. Ensuite, on continue sur un bloc de rangement pour jeux PS4. Mais après, il fait pas que pour jeux PS4. On peut mettre des jeux Switch et tout, ça passe. Je l'ai acheté pour dizaines d'euros ou une quinzaine, je sais plus. Ensuite, on a aussi toujours pour la PS4 un support pour recharger mes manettes. Donc c'est vraiment bien. Bon, j'en ai qu'une parce que j'ai pas envie d'en acheter une deuxième, ça sert à rien. Pourquoi en acheter deux? J'ai pas de jeu pour jouer à deux, j'ai pas. Pourquoi tu veux en acheter deux? Pourquoi? Donc ensuite, on a un hub USB. Vraiment, il a 10 ports. Il est vraiment très très bien. Il m'a coûté dans les environs de, ouais, je crois 15 euros. Bon, c'est assez cher pour un hub USB, je vous l'accorde. Mais après, il fait vraiment le taf, il est trop bien. Je peux brancher plein de clés USB. Bon, après, ça ne sert pas à grand chose de brancher plusieurs clés USB. Mais pour les claviers et tout et tout. Ensuite, on a l'écran. L'écran, alors les gars, c'est pas un écran Acer 144Hz. Non, c'est une télé. Réellement, c'est une télé. Voilà, donc c'est une télé océanique. C'est une télé océanique assez sympa. Franchement, elle fait le taf. Elle fait du 1080p, donc ça me suffit. Après, je joue pas sur PC, je joue sur la PS4. On va passer à la vidéo. Donc, j'ai l'éclairage et tout, mais il faut bien une caméra. Avant, j'ai le Huawei Y5 pour filmer. Donc là, la caméra que j'ai pour faire les vlogs ou des trucs comme ça, c'est le Huawei Y5 2019. Ensuite, la caméra pour quand je fais des trucs sur le PC, c'est la Logitech C270. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. D'ailleurs, on n'y peut pas aller la voir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, elle fait du 720p 30fps. Elle est vraiment très très bien. Elle m'a coûté 30 euros. Donc, elle fait vraiment le taf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des LED. Voilà, un ruban LED de 50 cm. Je l'ai acheté pour 7 euros. Vraiment, 7 euros, il coûte pas cher. Donc, j'ai deux 50 cm. Donc, là, je peux changer la couleur. Par exemple, je veux mettre vert. Voilà, bleu. Après je vais mettre flash comme ça, seulement une couleur. Après je peux mettre white, voilà. Après je peux mettre plein de couleurs. Donc moi je laisse en comme ça, voilà, ça fait plusieurs couleurs et c'est super bien. Bon après faut pas se péter les yeux parce que après tu vois t'as les yeux pétés. Donc après là tu vois j'ai des trucs pour l'école parce qu'il faut bien travailler. Dans la vie il faut travailler les gars. Travailler, ayez des bonnes. C'est bien. C'était la phrase du jour.
donc on continue. Ensuite on a. Et oui, vous vous dites, mais il a pas de PC ou quoi le mec? Mais si j'en ai un, c'est le Watch Time, tu connais. Donc on a la PS4. Bon là je sais pas si vous y verrez bien. Bon là il y a l'imprimante juste ici. Mais là il y a la PS4. Donc PS4 Slim 500 Go. Vraiment très très bien, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Elle tient vraiment le taf. Pour eux qui voudraient les jeux d'ailleurs, les jeux PS4. Alors j'ai Spider-Man Miles Morales. D'ailleurs je vous ai fait un gameplay dessus. J'ai Marvel Spider-Man. Vraiment trop trop bien. GTA 5. Lego, les aventures Lego. Assez sympa. Un petit FIFA 19 et FIFA 17. Voilà. Ensuite, on a la bête. La bête, hein. On peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça avec Adrien? Ouais, il veut pas parler parce qu'il est muet. On a donc le PC. Bon, c'est pas une bête de. Au final, c'est pas une bête. C'est un PC portable Acer Swift 1. Très sympa. Et franchement, il fait vraiment le taf. Après, pour les montages et tout, parfois il lag un peu. Bon, après, c'est pas un PC pour jouer à Fortnite et tout. Même si vous voyez que j'ai le logo, mais c'est le truc qui fait 2 FPS. Voilà. Donc, mais après, il est sympa. Il marche bien, tranquille. Je peux jouer, je peux faire du montage. Donc voilà, ensuite, c'est pas le PC le plus important, c'est pas le mur le plus important. C'est le bureau. Et oui, c'est un bureau de merde. C'est vraiment un bureau de merde. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère encore une fois que tu as mis ton petit coup de cœur en t'abonnant, en activant la cloche. Voilà, tu l'as toujours pas fait. Mais qu'est-ce que ça fait là? Mais qu'est-ce que ça fait? Et sur ce les petits potes, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis tchuss.